Bonjour, j'ai le plaisir de recevoir Caroline Perrin aujourd'hui pour le dernier des webinaires qui s'inscrit dans le concours Vive l'écho, auquel les élèves de terminale ayant choisi la spécialité sciences économiques et sociales sont invités à participer avec une belle remise des prix qui aura lieu le 6 juillet à Bercy. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Perrin. Bonjour. Bonjour, merci à vous pour l'invitation. Donc, je m'appelle Caroline Perrin, je suis en doctorat au sein de l'Université de Strasbourg et je vais être en charge de présenter ce webinaire donc sur la place des femmes dans l'économie et la finance. Merci beaucoup, on va donc passer à la présentation donc, qui s'intitule La place des femmes dans l'économie et la finance, donc réalisée en partenariat avec Melior, Brief Eco et BSI Economist. Donc, je vais partir d'un constat très simple. Chaque année, le Forum mondial économique y fait paraître un index qui nous permet de mesurer dans quel nombre d'années l'égalité parfaite entre les hommes et les femmes dans tout un tas de secteurs, incluant donc la place dans le monde du travail, l'éducation, la santé, le pouvoir politique, sera atteinte. Et cet index, donc pour l'année 2020, les données suivantes ne sont pas encore parues, il s'élevait à 136 ans. À noter qu'avant la crise sanitaire, l'index de disparité était à 100 ans. Donc autrement dit, au rythme actuel de changement des disparités de genre, il faudra 136 années avant d'atteindre l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc les inégalités hommes-femmes, encore une fois, à ce titre, elles sont au cœur du débat, que ce soit le débat public, le débat politique et le débat économique. Et on a pu le vérifier donc lors de la campagne présidentielle, on a vu que finalement les questions de droits des femmes étaient au cœur du choix du candidat pour 79% des personnes interrogées lors d'un sondage qui a été menée par un institut qui s'appelle Kantar pour la Fondation du droit des femmes. Donc, on voit qu'il y a un problème, il y a une disparité majeure entre les hommes et les femmes. D'ailleurs, si on se concentre uniquement sur le domaine du travail, donc si l'index inclut uniquement les disparités dans le monde du travail, donc que ce soit les disparités en termes d'accès aux postes à haute responsabilité et les disparités entre les salaires, il faudrait, au rythme actuel des choses, dans le monde, 257 ans avant d'atteindre une égalité parfaite homme-femme dans le monde du travail. Donc, on voit qu'il y a un problème majeur et que, on a, une population qui a conscience de l'existence de ce problème majeur. Donc, dans le cadre de ce webinaire, on va essayer de répondre à quatre questions. La première, de quelles inégalités parle-t-on? Qu'est-ce qu'une inégalité tout d'abord? Et dans quel secteur les inégalités hommes-femmes sont-elles proéminentes? Ensuite, on va regarder le cas français. Comment est-ce qu'elles évoluent en France? On aura une toute petite partie sur l'Union européenne et aussi une petite partie également sur les inégalités dans le monde. Donc, par souci de simplicité, je me concentre davantage sur la France, mais il y a également beaucoup à dire sur le monde. C'est parce que je n'ai pas 2 heures pour vous parler. Ensuite, on va regarder justement quels sont les sous-tendants de ces inégalités. Par quoi est-ce qu'elles s'expliquent? Et enfin, on va faire un zoom sur les métiers de la banque et de la finance pour regarder justement quelles sont les disparités hommes-femmes dans les métiers spécifiquement banque et finance. Donc pour ce faire, on a un webinaire qui sera construit en 3 parties. Première partie, on fera un tour d'horizon des inégalités. Ensuite, on s'intéressera aux préférences genrées. Je définirai plus tard ce que c'est que des préférences en économie. Et enfin, on s'intéressera aux métiers de la finance, comme statué précédemment. Donc, première partie, tour d'horizon des inégalités hommes-femmes. Donc, qu'est-ce qu'une inégalité? Donc, j'ai repris une définition qui a été établie par le Média pour l'écho. Donc, les inégalités, ce sont les ensembles des disparités sociales, juridiques et économiques qui défavorisent une catégorie de population par rapport à un autre. Donc, on peut avoir des inégalités de genre, c'est celle qu'on va traiter aujourd'hui, mais on peut également avoir des inégalités en termes d'âge, en termes de
de couleur de peau, en termes de religion, etc. Donc les inégalités, en fait, elles résultent de comportements qui sont dits discriminatoires ou stigmatisants à l'égard d'une population donnée. Et elles résultent notamment donc des préjugés à l'égard de cette population. Donc ces préjugés, ça peut être notamment le racisme et le sexisme. On considère une catégorie d'individus comme moins digne d'accès à une ressource. Donc, dans les sociétés modernes, les inégalités sont dites multidimensionnelles. Il n'y a pas une seule catégorie d'inégalités. Elles sont multiples. Elles sont également dites enchevêtrées. C'est-à-dire qu'une inégalité peut donner lieu à d'autres inégalités. Je vais prendre un exemple pour illustrer ça. On va prendre, par exemple, l'accès à l'éducation. Dans un pays donné, les femmes ont moins accès au système éducatif que les hommes, alors cette première inégalité donnera lieu à une deuxième inégalité qui sera une inégalité salariale. Les femmes ayant fait moins d'études que les hommes, elles gagneront moins d'argent que leurs homologues masculins. C'est pour ça qu'on dit que les inégalités sont enchevêtrées. Qui plus est, elles sont cumulatives. Ce n'est pas parce qu'on subit une inégalité qu'on sera épargné des autres inégalités. Donc, c'est ce qu'on appelle la commutativité des inégalités. Autre point important, donc, pour expliquer que les inégalités, finalement, ne sont pas unidimensionnelles, il n'y a pas un seul type d'avantage qui est réparti parfaitement inégalement entre les groupes sociaux. Et aucun de ces groupes ne bénéficie de manière préférentielle de tous les avantages. En fait, la frontière entre les sous-groupes, elle est parfois pas si évidente que ça. Tous les hommes ne gagnent pas plus que toutes les femmes. C'est le sens du propos. Alors, en France, on a tendance à se considérer comme un pays développé et justement en avance en termes de droits des femmes. Donc, ce qui est le cas, mais il faut seulement tenir compte du fait que c'est un phénomène qui est finalement très récent. Je m'explique. En 1880, les femmes ont été autorisées à ouvrir un livret d'épargne en toute autonomie. Cette mesure, elle sera renforcée plus tard par une loi en 1895 qui permet aux femmes justement d'effectuer librement des virements et des retraites sans l'aval de leur mari. Comment ça, sans l'aval de leur mari? Eh bien, simplement jusqu'ici, donc en lien avec le code civil napoléonien qui a été édicté en 1804, les femmes étaient considérées comme des mineures incapables. Elles n'avaient aucune préhension sur leurs ressources, en tout cas les femmes mariées. En 1907 seulement, les femmes ont le droit de disposer librement de leur salaire. C'est ce qu'on appelle la femme qui est non assistée par son mari. C'est un grand progrès juridique pour le droit des femmes, puisqu'elle a permis justement aux femmes d'éviter ce qu'on appelait le biais du mari, c'est-à-dire que les femmes avaient accès au secteur du travail. Toutefois, elles ne pouvaient pas jouir du salaire. Donc, elles n'avaient aucun bénéfice, elles ne tiraient pas de bénéfice, justement, de l'accession au travail. Donc, en 1946, ensuite, on a la notion de salaire féminin qui est abrogée. Désormais, il est illégal, juridiquement parlant, d'appliquer une discrimination genrée sur l'attribution du salaire. Autrement dit, à travail égal, salaire égal pour les femmes. Donc ça encore, c'est la loi. Et enfin, donc en 1865, donc 20 années, un peu plus de 20 années après le droit de vote des femmes, les Françaises ont le droit de travailler, d'ouvrir un compte sans l'autorisation libre de leur mari. Ce qui est également une révolution. Donc, en France, actuellement, en termes de droit, on fait partie des pays qui sont à la parité exacte, c'est-à-dire que les femmes ont autant de droits, donc que ce soit sur les questions financières que j'ai exposées ici, mais également sur tout pan de l'économie ou tout pan sociétal, en fait, en général. Or, ce constat, il est très disparate selon les économies. Donc, en fait, quand on s'interroge aux droits des femmes dans le monde, on s'aperçoit que les femmes, elles ont en moyenne
trois quarts des droits des hommes. Ces disparités, elles sont en lien avec l'index tout à l'heure du Forum mondial de l'économie que je vous ai présenté tout à l'heure. On voit que finalement, il y a 86 pays, encore une fois, c'est le milieu du travail qui est extrêmement préjudiciable aux femmes, où les femmes n'ont pas le même accès à l'emploi des hommes. Alors, qu'est-ce que c'est une contrainte légale sur l'accès à l'emploi des femmes? Ben, finalement, il y a certains pays où les femmes auront un nombre d'heures qui sera plus limité par rapport aux hommes. Ou d'autres pays où, par exemple, les femmes n'ont pas le droit de travailler la nuit. Donc, tout ça pour dire que finalement, c'est loin d'être acquis. Sachant que donc, cette enquête de la Banque mondiale, qui date de 2022, elle porte sur 190 économies. D'accord ? Donc, sur 190 économies, il y a 90 pays qui contraignent l'accès au travail des femmes. Il y a seulement, comme dit tout à l'heure, 12 pays qui ont atteint une parité légale parfaite entre les sexes, incluant la France. Donc, ces 12 pays, c'est en majorité des pays développés, donc pays membres de l'OCDE. Maintenant, si on s'intéresse au taux d'activité selon le sexe, donc là, on va repartir en France. Est-ce que, parce qu'on a un cadre légal qui est parfaitement favorable aux femmes, on a l'égalité parfaite? Ben non, finalement, non. En fait, en 2020, sur le marché du travail, selon l'INSEE, on avait 67,6% des femmes âgées de 15 à 64 ans qui sont dites actives au sens du Bureau international du travail. Attention, je pense que vous l'avez vu en cours d'économie, les définitions du taux d'activité et de la situation de chômage, elles diffèrent selon les pays et selon les méthodes utilisées. Ici, on parle du Bureau international du travail. Contre, du côté des hommes, 74,5% des hommes de la même classe d'âge étaient actifs. Donc, ce qu'on observe, on observe une tendance de l'écart entre les genres à la réduction. L'écart des taux d'activité entre les femmes et les hommes s'est considérablement réduit, passant de 31 points en 1975 à 7 points en 2020. Donc, quand on regarde en rouge la courbe des hommes, on s'aperçoit que finalement, elle est assez stable dans le temps, quoique une légère tendance descendante qui s'explique notamment par l'accès aux études qui est accru, c'est-à-dire que les hommes font plus d'études, donc on a un taux d'activité qui automatiquement se réduit très légèrement. Et du côté des femmes, par contre, on a une tendance haussière qui est finalement assez linéaire et assez nette. À noter toutefois donc, que ces chiffres concernent la situation d'avant le Covid, situation sanitaire justement qui a un peu rebalancé les cartes. On pourra en parler tout à l'heure. Ensuite, quand on s'intéresse aux divergences de salaire et aux conditions de travail, on voit que finalement, entre 1995 et 2019, l'écart de revenus salariés entre les hommes et les femmes est réduit de 5,1 points seulement. Ce n'est pas beaucoup, c'est rien du tout. Pour atteindre un écart, toutes choses égales par ailleurs, entre les hommes et les femmes, de 22,3%. Donc, c'est les chiffres de l'INSEE. On peut toutefois noter une certaine accélération qui est advenue entre 2017 et 2019, qui a permis justement de réduire cet écart salarial. Toutefois, encore une fois, la crise sanitaire a complètement détruit tous les progrès en termes d'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Donc, en termes sonnants et trébuchants, on a 18 970 euros contre 24 420 euros par an en moyenne, donc pour les hommes. Et cet écart salarial, en fait, il s'accroît si on considère l'âge. Donc, au-delà de 55 ans, l'écart salarial, il est de 27,2%. Et cet écart, il est aussi accru quand on s'intéresse aux positions qui exigent un niveau de qualification plus élevé. Donc, par exemple, pour les positions, pour les postes justement où on a un niveau Bac plus 3, l'écart entre les hommes et les femmes, il s'élève à, l'écart salarial pardon, entre les hommes et les femmes, il s'élève à 30,7%.
Ensuite, on a un deuxième constat, c'est que 3 fois plus d'heures travaillées à temps partiel sont effectuées par des femmes. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que les femmes, elles sont beaucoup plus engagées dans des activités dites précaires, donc des emplois à temps partiel. Pourquoi? Donc, plusieurs causes. D'abord, ce qu'on remarque au niveau éducatif, c'est que les femmes, elles s'engagent beaucoup plus vers des filières dans le médico-social ou dans les sciences humaines qui sont malheureusement moins rémunératrices et souvent plus précaires. Deuxième raison, la prise en charge des enfants. Encore une fois, ces dernières années, la prise en charge des enfants, bien que les hommes s'investissent de plus en plus, incombe toujours en majorité aux femmes. Donc, ils subissent cette charge qui est visible dans l'inégalité salariale. Et troisième et non des moindres raisons, c'est ce qu'on appelle le plafond de verre. Je vous ai dit tout à l'heure que quand on parlait des postes à haute responsabilité, l'écart salarial, ou en tout cas les postes plus qualifiés, l'écart salarial, il se creusait. Et cet écart salarial, il peut s'expliquer par ce qu'on appelle le plafond de verre. En fait, il existe un plafond qui est invisible auquel se heurtent les femmes dans l'avancée de leur carrière et dans leur accès aux positions, aux postes les plus élevés, et qui les empêche de progresser aussi vite et autant que les hommes à même niveau de qualification. Il y a d'autres métaphores qui sont utilisées justement pour décrire la situation des femmes sur le marché du travail dans les postes à haute responsabilité. Il y a par exemple le phénomène de tuyau percé, on va appeler ça tuyau percé, leaky pipeline. En fait, plus on monte dans les échelons d'une entreprise, plus on s'aperçoit que les femmes sont évincées facilement en cas de situation dite défavorable. Donc, par exemple, si on a un président directeur général femme, en cas de mauvais résultats financiers, on aura tendance à l'évincer beaucoup plus facilement que si on avait un PDG homme. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène de tuyau percé, le leaky pipeline. On a un troisième phénomène, donc on a plafond de verre, tuyau percé. Le troisième phénomène, c'est ce qui s'appelle la falaise de verre. En fait, en situation de crise, parce que les femmes dirigeantes, elles présentent un certain nombre de caractéristiques que je vais vous présenter dans la partie suivante, on aura tendance à embaucher plus de femmes lorsque l'entreprise est justement dans une situation défavorable. Or, quand la situation de l'entreprise va mieux, encore une fois en lien avec le tuyau percé, on va évincer beaucoup plus facilement ces femmes. Donc, une fois que la situation financière est meilleure, on a tendance à évincer ces femmes. On dit que finalement, on les pousse du haut de la falaise, d'où l'expression « falaise de verre ». Voilà, donc il y a 3 expressions pour décrire justement les problématiques rencontrées par les femmes dans l'accession aux postes à haute responsabilité. Maintenant, si on s'intéresse au stade plus avancé de la vie d'une femme, la retraite. Encore une fois, on observe des disparités hommes-femmes qui sont assez évidentes. Donc, c'est toujours des chiffres de l'INSEE. Et la retraite mensuelle d'un homme est nettement supérieure à la retraite mensuelle d'une femme. Donc, en moyenne, un écart de 24% en 2019. C'est assez paradoxal puisque on voit que les femmes sont majoritaires parmi les bénéficiaires d'allocations retraite pour une simple et bonne raison, que les femmes ont une espérance de vie qui est supérieure à celle des hommes. Donc, entre 2004 et 2019, leur part est passée de 50,8% à 52,4% du total des bénéficiaires. Et pourtant, on observe des disparités donc, dans l'accès également aux pensions de retraite. Maintenant, si on va considérer les inégalités à l'échelle mondiale, on va s'intéresser à un index qui est très utilisé dans la littérature justement pour mesurer les disparités hommes-femmes, c'est celui des accès à un compte bancaire dans une institution formelle. Okay, parce qu'en France, on a des banques qui sont quasiment présentes, mais dans les pays en développement, plus spécifiquement, l'accès aux institutions bancaires formelles n'est pas si évident, si bien que les hommes et les femmes ont recours à des prêts et des institutions.
non bancaire, moins formel, avec des règles différentes. Enfin, ce n'est même pas des règles, du coup, c'est souvent des usages. Donc, si on s'intéresse finalement aux disparités hommes-femmes en termes d'accès à un compte bancaire, on voit que 72% des hommes détiennent un compte contre 65% des femmes. C'est les chiffres de la Banque mondiale. Le pire dans ce constat, c'est non seulement en fait, de remarquer qu'il y a un écart entre les hommes et les femmes, mais également que cet écart il est persistant. Il n'y a eu aucune évolution depuis 2011, depuis la première année où ce sondage, donc là, c'est des chiffres de 2017, a été mené. Donc, on a un écart de 7 points qui persiste entre les hommes et les femmes dans l'accès au crédit. Dans l'accès, pardon, à un compte bancaire. Et donc, on observe également des disparités dans l'accès au crédit entre les hommes et les femmes, puisque les femmes, lorsqu'elles empruntent, donc tout d'abord, ont un taux d'acceptation de la part des banquiers qui est bien moins élevé que celui des hommes, c'est-à-dire que les femmes ont tendance à se faire rejeter leurs demandes de prêt beaucoup plus facilement que les hommes, et lorsqu'elles accèdent au prêt en tant que tel, le prêt est formulé dans des termes beaucoup moins favorables que celui des hommes. C'est-à-dire que les femmes ont des prêts avec une maturité souvent bien inférieure à celui des hommes et du coup un niveau de taux d'intérêt qui est bien supérieur. Comme si les femmes emprunteuses étaient plus risquées que les hommes. Donc voilà, tout ça pour vous dire que finalement, il y a des inégalités en France qui sont remarquables, mais ces inégalités sont d'autant plus marquées à l'échelle mondiale, qui plus est dans les pays en développement. Pourquoi est-ce que ces inégalités, donc je reviens à l'échelle française, sont préjudiciables pour l'économie? D'abord, si on s'intéresse au produit intérieur brut potentiel qui pourrait émaner de l'accès des femmes, d'un accès des femmes au marché du travail similaire à celui des hommes, on voit que si le taux d'emploi des femmes et leur rémunération étaient égaux à ceux des hommes, le PIB français bondirait de 6,9 points. Donc ça, c'est des chiffres de l'INSEE. Donc, dans le détail, finalement, l'État gagnerait 3,8 milliards d'euros supplémentaires par an via la TVA, puisque qui dit nouveaux entrants sur le marché du travail nous dit nouveaux bénéficiaires d'un salaire, dit rehaussement de la consommation. Donc, ça représenterait environ 3,8 milliards d'euros supplémentaires via la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, qui est intimement liée à la consommation, et 5,5 milliards d'euros en plus d'impôts sur le revenu. Donc, puisqu'on a des nouveaux bénéficiaires d'un salaire, on a des nouvelles personnes qui doivent payer un impôt sur le revenu. Ainsi, les cotisations patronales et salariales progresseraient de 25 milliards d'euros par an, soit finalement un manque à gagner de 34 milliards d'euros. C'était en 2017 la moitié du déficit de l'économie française. Ces chiffres, elles ne sont plus vraiment applicables à l'heure actuelle où le déficit de l'économie française a très largement progressé, mais en tout cas, vous avez une marge de comparaison avec l'année 2017. Maintenant, si on s'intéresse donc à l'échelle de l'Union européenne, donc cette fois-ci, c'est des données qui sont produites par l'OCDE. Donc, on a une hausse potentielle des exportations de l'ordre de 1,6 à 2,3% en Europe et une baisse des importations de 0,4 à 0,7%, soit une amélioration de la balance commerciale due justement à l'augmentation des capacités productives, puisqu'on recrute plus de femmes de l'Union européenne. Et puisque l'emploi crée l'emploi, finalement, plus on a de personnes en activité, plus on est susceptible d'avoir une demande et un pouvoir d'achat élevé. Donc, plus il y aura de demandes et plus l'offre devra s'adapter. Ça représente finalement environ 6,3 et 10,5 millions d'emplois potentiellement supplémentaires en Union européenne d'ici 2050. Donc maintenant, on a vu les inégalités
d'un point de vue macroscopique, c'est-à-dire qu'on s'est intéressé aux inégalités en économie. Et maintenant, on va regarder les inégalités en termes comportementaux, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut potentiellement expliquer ces différences entre les hommes et les femmes. Donc, en fait, en économie, quand on s'intéresse au comportement des hommes et des femmes, on va surtout s'intéresser à leurs préférences. En économie, en fait, les préférences, c'est les goûts d'une personne. C'est ce qui va permettre d'établir leurs choix futurs. En fait. Les goûts des individus, leurs préférences déterminent en partie ou tout en partie les choix des individus plus tard. Pour ce faire, on va s'intéresser à une enquête qui s'appelle l'enquête PATER pour patrimoine et préférences vis-à-vis du temps et du risque. Il est mené par l'INSEE. Donc, en plusieurs vagues, il y a eu un total de 4 vagues, donc en 2002, 2007, 2009 et 2011, pour justement mesurer dans quelle mesure l'opinion des femmes et des hommes en général a varié vis-à-vis du temps et de la perception du temps et du risque donc au cours de la crise financière. En fait, cette enquête, elle présente l'avantage de nous donner deux indicateurs qui vont nous permettre d'expliquer les préférences entre les hommes et les femmes, donc à l'échelle microscopique. Donc, ces deux indicateurs sur lesquels on va se concentrer, nous aujourd'hui, c'est l'attitude à l'égard du risque et la préférence pour le présent. Mais l'enquête, elle permet aussi de mesurer des données telles que l'altruisme familial et l'éducation financière. Alors, il y a un double avantage pour vous, les lycéens. Donc, au-delà justement du gain qui est purement en termes de connaissances, justement, de mieux comprendre les différences entre les hommes et les femmes, il faut savoir que cette enquête PATER, elle est accessible, enfin, les données sont accessibles sur le site de l'INSEE. Donc en tout temps et en toute heure, et justement donc c'est des données qui peuvent vous servir pour un travail et pour éventuellement un travail futur. C'est des données qui sont fiables et qui sont largement acceptées dans la littérature. Donc comment elles sont structurées finalement à chaque fois? Donc c'est un questionnaire, donc à chaque fois on a assigné cette enquête à un panel d'un peu plus de 3000 individus sur les 4 années que je vous ai citées préalablement, et on a réalisé une moyenne de leurs réponses. Donc à chaque fois, à gauche on a les questions et à droite on a la moyenne des réponses des femmes et la moyenne des réponses des hommes. Parfois c'est un pourcentage, parfois c'est une mesure sur une échelle. Donc, dans cette première sélection de questions que je vous ai faite là, on va regarder l'attitude face à l'égard du risque. Pourquoi, en fait, on suppose que les hommes et les femmes sont différents en termes d'aversion ou de perception du risque, en fait, en tant que tel? Ce qu'on voit, c'est que déjà, dans la première question, donc sur une échelle de 0 à 10, vous considérez-vous de manière générale comme quelqu'un de prudent, limitant au maximum les risques, ou inversement, comme quelqu'un qui aime prendre des risques, qui aime l'aventure et la recherche de la nouveauté et des défis? On voit que les femmes se perçoivent comme plus averses au risque que les hommes. Premier constat. Deuxième constat, donc dans la question J10, décririez-vous chacun de vos parents comme quelqu'un qui a pris des risques dans sa vie? Que ce soit les hommes ou les femmes, ils perçoivent le père comme la personne ayant pris le plus de risques au sein du cocon familial. Deuxième donnée intéressante, les femmes se perçoivent comme plus averses au risque comparativement aux hommes, et elles perçoivent les hommes, en tout cas l'autorité masculine, comme plus à même à prendre des risques. Question suivante, la E3, avez-vous l'impression d'avoir pris des risques inconsidérés? Et ce qu'on voit finalement, c'est que, encore une fois, cette donnée, elle est complètement... elle est complètement différente entre les hommes et les femmes, puisque les hommes, dans tous les domaines, donc que ce soit dans la vie professionnelle et dans la pratique sportive, les hommes considèrent avoir pris des risques plus que les femmes, en tout cas. La question J11, en fait, elle est intéressante puisque elle mesure la position face au risque dans différents domaines de la vie.
Donc, il y a la consommation, les loisirs, la santé, l'emploi et la carrière professionnelle, le placement, le patrimoine et la décision ou les choix concernant la famille. Et ce qu'on voit finalement, c'est que, donc encore une fois, les hommes se perçoivent comme plus à même à prendre des risques que les femmes dans quasiment toutes les situations. Et sur la dernière question, on voit qu'on a une situation un peu plus ambiguë. On est donc sur une échelle de 10 à 3,6 et 3,7 pour les hommes. Donc, c'est plus ou moins la même chose. Et curieusement, c'est des décisions qui émanent à un choix concernant la famille, qui émane potentiellement à l'altruisme familial. Donc, dans quelle mesure une femme est prête à prendre des risques, une femme ou un homme d'ailleurs est prêt à prendre des risques et à s'investir pour sa famille. Ça nous donne un premier indicateur sur l'altruisme familial. Donc déjà là, on peut déduire deux conclusions de cette enquête. Première conclusion, les femmes se perçoivent comme averse au risque et elles perçoivent les hommes comme plus à même à prendre des risques qu'elles. Et deuxième conclusion, a priori, les femmes présentent un niveau d'altruisme qui est similaire à celui des hommes. À confirmer. Question B24, si vous aviez des enfants, êtes-vous ou seriez-vous du genre à les inciter à prendre des risques financiers? Même constat, les femmes, dans leur façon de transmettre, elles auront tendance à inciter davantage à la prudence que les hommes. Ensuite, autre choix de questions, c'est des questions qui émanent en fait aux comportements sociaux. Donc la première question, désolé, je n'ai pas réussi à vous sortir les chiffres. On va s'intéresser à la deuxième question. On voit que les femmes, en fait, considèrent le fait qu'il y a encore trop d'inégalités en France et qu'il faut, il faut continuer à les combattre. En fait, c'est ce qu'on appelle un biais pro-endogroupe. Puisque les femmes sont elles-mêmes directement impliquées dans la discrimination en question, elles se sentent beaucoup plus revendicatrices quant à cette. C'est ce qu'on appelle un biais pro-endogroupe. Les hommes sont tout de même en faveur de la lutte, largement en faveur justement de la lutte contre les inégalités, mais dans une proportion moindre par rapport aux femmes, puisqu'ils sont, ce qui implique qu'eux sont moins directement concernés par ces inégalités. Ils sont moins sujets au biais pro-endogroupe. Donc, ensuite, question H5, selon vous, que faudrait-il en priorité actuellement en France? Donc, plus de liberté, les hommes sont plus à même à répondre cette réponse. Plus d'égalité, cette fois-ci, encore une fois, en lien avec la question précédente, c'est les femmes. Et plus de solidarité, on l'a dit tout à l'heure au départ, les femmes, a priori, étaient plus altruistes que les hommes. Et là, on voit que finalement, le niveau d'altruisme des femmes, il a tendance à excéder celui des hommes puisqu'elles sont en faveur de plus de fraternité ou plus de solidarité au sein de la société. Ensuite, autre pan qui a trait aux comportements sociaux, c'est dans quelle mesure un individu se met en avant dans un débat lorsqu'il est en désaccord avec l'opinion majoritaire. Donc, on voit que les femmes, finalement, ont tendance à beaucoup moins mettre en avant leurs revendications lorsqu'elles sont en désaccord. En fait, il y a un point de la littérature qui a montré que les femmes, elles avaient tendance à avoir des comportements beaucoup plus en faveur des normes sociales qui, paradoxalement, vont en général à leur encontre. Les normes sociales, elles ont tendance à dévaloriser les femmes par rapport aux hommes. Et les femmes, elles, se conforment beaucoup plus facilement que les hommes à ces normes sociales, ce qui nous donne des résultats comme ceci. Donc ensuite, on a des questions sur le don du sang, donc encore une fois, des questions qui a trait à l'altruisme. Et autre question qui relate des normes sociales, vous êtes dans une file d'attente au supermarché, à la banque, avez-vous plutôt tendance à prendre votre mal aux patients, vous impatienter, c'est passivement? Et on voit finalement que les femmes ont tendance à avoir des comportements beaucoup plus pro-sociaux que les hommes. Question F16, quand vous êtes dans un embouteillage et qu'il y a plusieurs files,
vous changez souvent de fil, restez toujours sur le même fil, même constat, les femmes se conforment plus facilement aux normes sociales. Et ensuite, la dernière section, en fait, elle a trait aux règles en tant que telles, donc à la loi. Et encore une fois, les femmes se conforment beaucoup plus facilement à la loi. Donc, plus facilement aux normes sociales, plus facilement à la loi. En fait, les femmes, d'un point de vue agrégé, elles sont plus sensibles à la pression des pairs. D'où le fait qu'elles se conforment aussi bien aux normes sociales et à la loi en tant qu'individu. Ensuite, donc, questionnaire classique. Donc, si un jour vous intéressez aux enquêtes, il faut toujours bien penser à vérifier la situation socio-professionnelle des répondants pour vérifier justement si votre échantillon, donc si les répondants sont bien représentatifs de la population, ici de la population française. Donc ici, globalement, on voit que oui, puisque on a un taux d'activité qui est inférieur entre les hommes et les femmes. On a un revenu annuel qui est inférieur du côté des femmes. Donc malheureusement, c'est représentatif de la société française. On a un revenu, un niveau de précarité qui est plus élevé chez les femmes, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on a appris de cette enquête? Finalement, on a un très large panel d'informations. Donc là, je vous ai présenté vraiment une toute petite partie des questions. Il y en avait à peu près 36 et l'échantillon en contient en réalité plus ou moins 200 qui permettent de tirer des conclusions sur les préférences entre les hommes et les femmes en matière de culture et de choix financiers. Ce qu'on voit, c'est que finalement, les réponses vont malheureusement en faveur de la plupart des stéréotypes genrés, mais ces résultats, encore une fois, ils sont à considérer avec prudence. Pour une raison très simple. En fait, quand on assigne un questionnaire à des répondants, en général, les répondants, ils ont tendance non pas à répondre ce qu'eux pensent au plus profond d'eux-mêmes, mais parfois de répondre justement à ce que la société attend d'eux. En fait, leur perception même la question, elle est biaisée par ce que la société attend d'eux, par les attentes des pairs. Et qui plus est, encore plus chez les femmes que chez les hommes. Ce processus inconscient d'identification enferme chacun dans des rôles spécifiques et polarise les différences de genre, renforce les stéréotypes. Donc, on est sur un cercle vicieux du stéréotype et du comportement de la femme. Maintenant, comment on peut expliquer des préférences aussi différenciées entre les hommes et les femmes? Il y a une question qui revient souvent dans le débat, que ce soit le débat biologique ou le débat en économie, c'est « nature or nurture ». Est-ce que ces préférences, elles émanent d'un pan biologique? Est-ce qu'elles sont purement liées à la biologie et à la structure biologique des hommes et des femmes? Ou est-ce que ces différences, elles émanent d'un construit social? En tout cas, que ce soit d'un contexte ou alors d'un processus plus long qui a permis aux hommes et aux femmes d'assigner un certain nombre de valeurs. Donc, on a vu finalement dans notre questionnaire, dans notre enquête PATER, que les femmes étaient plus averses à l'incertitude, plus averses au risque, elles étaient plus altruistes par rapport à la famille et par rapport à la société en général. Et donc ça, c'est, je le rajoute ici, elles ont moins de préférence pour le présent. En fait, les femmes, du fait qu'elles soient plus averses au risque, elles ont tendance à considérer plus le futur, donc davantage se projeter dans le futur. Et ça se manifeste par un tas d'effets. Donc, par exemple, les femmes, elles épargnent plus que les hommes par rapport aux hommes. Quant aux hommes, cette fois-ci, ils sont plus agressifs en général. On a vu qu'ils se conformaient moins aux normes sociales. Ils avaient tendance à davantage dévier de la file, davantage chercher à doubler, par exemple, dans la file du supermarché. Ils avaient globalement une plus grande prise de risque et une appétence pour la compétition qui est plus marquée que chez les femmes. D'où le fait que les hommes ont tendance à davantage postuler pour des postes à haute responsabilité par rapport aux femmes, puisque ces postes sont plus compétitifs que les femmes. Donc, pour répondre à la question, est-ce que les différences de préférence dépendent d'une structure biologique ou bien d'un construit social,
On va déjà regarder le cas chez les enfants. Et bien, chez les enfants, il y a déjà des différences. En fait. Dès l'âge de 6 ans, les enfants des deux sexes estiment que les garçons ont moins de risques d'accident que les filles, même s'ils sont engagés dans une seule et même activité. C'est un spécialiste en fait, qui a beaucoup travaillé sur ces différences de perception des risques chez les enfants, qui s'appelle Morongiello, et qui a écrit, il y a vraiment un tas d'enquêtes qui sont sorties à ce sujet. Qui plus est, les filles, elles se sentent plus vulnérables et plus à même de se blesser que les garçons. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, ça En fait, ça peut déjà nous donner des premières indications quant à l'effet biologique de justement, enfin, quant à l'effet de la structure biologique sur la prise de risque. Ben finalement, si des enfants qui ne sont pas encore extrêmement biaisés par la société, qui n'ont pas encore intériorisé tout un tas de valeurs implicites comme on l'a fait nous, on aura tendance à se dire que ben, c'est finalement un pur produit biologique. C'est-à-dire que ben, structurellement, en termes d'hormones, les hommes et les femmes sont différents, donc ils ont des préférences qui diffèrent en termes de risque, en termes d'altruisme, en termes de préférence pour le présent, etc. Mais en fait, ce n'est pas si défini que ça. En fait. Donc, on a cette structure hormonale. On va faire un peu de neuroéconomie, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser rapidement à la construit hormonale des hommes et des femmes. En fait, on voit que la tendance des risques, la tendance à prendre des risques, elle s'explique par une hormone qui s'appelle l'androgène, par un type d'hormone qui s'appelle l'androgène, donc qui pousse un individu à la recherche de sensations. Et parmi les hormones du type androgène, on a la testostérone, donc une hormone qui est typiquement masculine. Et cette hormone, elle est liée à la recherche des sensations, mais également, elle augmente la sensibilité d'un individu face aux récompenses, au détriment de la sensibilité aux punitions. Donc, pour faire simple, plus on a un taux d'androgène, autrement dit de testostérone élevé, plus un individu aura tendance à prendre des risques. Donc, effectivement, il y a une différence biologique entre les hommes et les femmes. Mais la structure sociale, elle aussi, infère largement sur les différences en termes de préférences. On a une étude qui a été menée par 3 chercheurs, donc Nizi, Leonard et Ellis, en 2009. Ils ont travaillé sur une tribu qui est dite matriarcale, c'est-à-dire que la chef de la tribu, c'est une femme, et en général, les chefs de famille étaient des femmes. Et là, cette fois-ci, donc, dans cette tribu, donc c'est la tribu Kazi en Inde, le niveau de risque entre les hommes et les femmes, il est similaire. Il n'y a aucune différence entre les hommes et les femmes en termes de prise de risque. Il y a aussi une question de contexte qui va entrer en jeu. Il y a 2 chercheurs, dont Lindquist et Save, qui ont réalisé en 2011, une enquête, justement, où ils regardaient, dans le cadre d'un jeu télévisé, dans quelle mesure les femmes allaient prendre des risques par rapport aux hommes. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que les femmes, elles adoptent des stratégies qui sont beaucoup plus risquées lorsqu'en face d'elles, elles ont des femmes. Le cas échéant, les femmes, elles prennent moins de risques si l'adversaire, dans le jeu télévisé en question, est un homme. Il montre que finalement, le contexte joue aussi une très grande part de responsabilité dans le niveau de prise de risque et dans le niveau de préférence en général, parce que là, je me suis surtout concentrée sur le risque parce que c'est ce qui est le plus étudié dans la littérature, mais il y a bien sûr des effets sur les préférences en général entre les hommes et les femmes en fonction du contexte. Donc, juste pour donner quelques conséquences de ces différences de préférence dans la vie réelle et dans des contextes. Donc, ce qu'on voit déjà, c'est que les femmes, en général, elles réalisent moins de transactions. Qui dit moins de transactions, dit moins de coûts de transaction. À chaque fois que vous réalisez une transaction, et si je parle en termes d'investissement, il y a un coût qui est afféré à cette transaction. Ensuite,
Deuxième conséquence, j'ai dit tout à l'heure, les femmes se conforment beaucoup plus facilement aux normes sociales, mais également aux lois. Donc les femmes, c'est une étude de Hossein qui a été menée en 2016, qui montre que les femmes, elles fraudent beaucoup moins que les hommes. Donc que ce soit dans la vie en général, mais également dans les postes à responsabilité. Une femme présidente d'entreprise, elle aura tendance à moins masquer des résultats mauvais que, à moins manipuler des résultats comparativement à un homme. Ensuite, on a des portefeuilles qui sont plus rentables. J'ai dit au-dessus, moins de transactions sur une femme qui est dans l'investissement. Eh bien, cette femme, elle aura afféré à son portefeuille moins de frais de transaction, donc elle aura finalement un portefeuille plus rentable. Et puis elle investit en général dans des actifs plus sûrs qu'un homme. Autre conséquence, on l'a dit tout à l'heure, les femmes ont une préférence pour le présent moindre par rapport aux hommes, donc elles épargnent plus que les hommes. Aussi, l'enquête Pater a mis en exergue un niveau d'altruisme plus élevé, donc les investissements des femmes réalisés par les femmes en général sont plus socialement responsables, plus socialement et écologiquement parlant responsables. Elles vont davantage tenir compte d'autres pans pans purement économiques dans la prise de décision, si bien qu'elles vont considérer l'environnement, le bien-être des salariés quand elles sont présidentes d'entreprise, plus qu'un homme. Autre chose qu'on a dit tout à l'heure, donc les femmes se soumettent davantage à la pression sociale, elles sont plus à même à se conformer aux normes sociales, ce qui était observable également dans le questionnaire Pater tout à l'heure. Enfin, les femmes sont des emprunteuses plus sûres, c'est-à-dire que la littérature a démontré que qui dit emprunteur plus averse au risque dit emprunteur qui a plus de chances de rembourser son prêt par rapport à un emprunteur qui prend énormément de risques avec le capital, si bien que les femmes remboursent davantage leurs prêts en temps et en heure. Et enfin, elles consacrent plus d'argent à l'éducation des enfants. Ça encore, c'est l'altruisme, mais là, c'est un pan spécifique de l'altruisme qui s'appelle l'altruisme familial, qui fait que les femmes investissent beaucoup plus dans leurs enfants et plus spécifiquement dans l'éducation des enfants. Donc maintenant, on va s'intéresser spécifiquement au métier de la finance. En quoi les différences macroscopiques qu'on a vues tout à l'heure et les différences microscopiques qu'on vient de voir dans la deuxième partie ont un effet sur les métiers de la finance. On a Christine Lagarde, donc, qui est présidente de la Banque Centrale Européenne depuis 2019 et c'était l'ancienne directrice des fonds monétaires internationaux en 2011, si je ne me trompe pas, qui a dit une phrase qui est très importante. If Lehman Brothers had been Lehman Scissors, today's economic crisis clearly would lie quite different. C'était quoi son intuition? C'était simplement de dire que les femmes sont plus prudentes dans leur prise de décision, si bien que potentiellement, si on avait plus de femmes présentes dans les postes à haute responsabilité en banque et en finance, on peut espérer une prise de risque moindre qui aurait pu limiter potentiellement le nombre de crises financières et bancaires qu'on a subies jusqu'à là. Or, quand on s'intéresse en fait aux recherches qui ont porté sur les différences entre les hommes et les femmes dans les secteurs bancaires et financiers, on voit que, une fois qu'elles sont... Tout à l'heure, on s'est intéressé aux décisions des femmes, les femmes dans des ménages, mais une fois que les femmes sont dans des situations professionnelles, une fois qu'elles sont investisseuses professionnelles, on voit que la prise de risque est similaire entre les hommes et les femmes. Résultat un peu décevant. Il y a également... on avait vu justement le rapport à la fraude, les femmes se conforment beaucoup plus aux lois que les hommes et tendent à moins frauder dans la vie réelle, mais une fois qu'elles accèdent à des positions donc dans les autorités de gestion et les banques centrales, la qualité de la supervision est la même que ce soit un homme ou une femme superviseuse. Mais par contre, quand on s'intéresse à l'entreprise, il y a quand même une façon de gérer les choses qui est assez différente. La prise de risque, le niveau de prise de risque qui est moindre des femmes par rapport à un homme, il est visible quand on s'intéresse par exemple aux femmes PDG. On voit que les femmes PDG, elles prennent beaucoup moins de risques que les hommes.
Maintenant, dans le secteur bancaire, finalement, s'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, on pourrait s'attendre à ce que finalement il y ait des proportions similaires d'hommes et de femmes dans le métier de la banque, ce qui n'est pas le cas. Donc là, on a une enquête qui a été menée par Doc Finance en 2014 et qui nous montre que ben, finalement, quel que soit le pan de la finance, du métier de la finance ou de la banque en question, on a une dominante masculine, excepté pour les activités un peu plus annexes qui nèrent justement aux juridiques, à la fiscalité et aux ressources humaines. Où là, cette fois-ci, on a une part de femmes qui est dominante par rapport aux hommes. On a une étude qui a été menée en 2020 qui s'intitule Women in FinTech, qui révèle que le niveau de féminisation dans le secteur financier reste en général en dessous de la moyenne égalitaire entre les hommes et les femmes. La note qui a été attribuée par ce rapport Women in FinTech, il donne la note de 3,3 en termes de parité au secteur de la finance, ce qui est, soit dit en passant, déplorable. Voilà, donc sur ce, on va rapidement conclure. Donc on a vu que les différences et stéréotypes de genre engendrent des préjudices importants pour les femmes. Donc dans une première partie, on s'était intéressé justement aux inégalités et on a vu dans quelle mesure ces inégalités étaient préjudiciables à l'économie d'un point de vue plus agrégé, d'un point de vue plus macroscopique. On a vu également que à l'échelle microscopique, il y avait une différence en fait en termes de préférence entre les hommes et les femmes. Et que ces différences sont elles-mêmes sensibles donc, au contexte et à l'évaluation et au niveau d'éducation. Pourquoi le niveau d'éducation ? Tout à l'heure, en fait, on a vu que lorsqu'elles étaient dans le domaine professionnel, il n'y avait pas de différence entre les hommes et les femmes investisseurs. Il suggère que finalement, une fois à diplôme égal, les hommes et les femmes prennent le même sont similaires en termes de prise de risque par rapport aux hommes. Il n'y a toutefois pas de résultats qui sont tranchés face à un style de management très différent des femmes dans les métiers de la finance, contrairement aux femmes dirigeantes qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont un style de gestion d'entreprise qui est très différent. Voilà, donc c'est tout pour moi. En tout cas, merci de votre attention. Je suis à votre écoute si vous avez des questions. Merci beaucoup, Caroline. C'était absolument passionnant avec de très nombreuses informations qui vont être utiles pour les élèves. Peut-être deux questions, effectivement, parce que vous nous avez bien montré, hélas, que les choses bougeaient très lentement. Alors, la première question sera, quels sont les effets de la loi sur vraiment les droits réels des femmes ? Alors, merci pour cette question. Donc, j'ai expliqué tout à l'heure, justement, qu'en France, par exemple, et dans le monde en général, en France, les femmes étaient égales face à la loi sur tout un tas d'aspects juridiques, mais par contre, ce n'était pas forcément le cas dans le monde. Maintenant, avec un de mes co-auteurs, on s'est intéressé, nous, à justement aux effets d'un changement de loi en faveur des femmes sur l'économie réelle. Nous, on s'est surtout intéressé en fait, à l'accès au crédit. Est-ce que si on a une loi qui interdit la discrimination dans l'accès au crédit des femmes passe et adoptée par un gouvernement, est-ce qu'il y a des effets réels sur l'accès au crédit des femmes ? Finalement, quand on s'intéresse au comportement des banquiers, on voit que même s'il y a une loi interdit la discrimination de l'accès au crédit des femmes, cette loi n'est pas appliquée puisque les banquiers discriminent toujours autant les femmes dans l'accès au crédit. Qui suggère encore une fois qu'il y a des normes sociales et ces normes sociales, dans certaines sociétés, elles peuvent être proéminentes comparativement aux lois. En fait. Elles peuvent prendre le dessus sur les lois si la loi n'est pas correctement appliquée, s'il n'y a pas tout un tas de sanctions qui permettent de limiter les comportements déviants des personnes en question. Merci beaucoup. Alors justement, vous avez parlé du plafond de verre et du coup, cette question va permettre d'aller plus loin à la fois dans la question précédente et concernant le rapport au pouvoir finalement et aux promotions des femmes.
Quels ont été finalement les effets de la loi Copé-Zimmermann en 2011 sur la place des femmes dans les conseils d'administration? Est-ce que véritablement, ça a permis de progresser significativement? Et effectivement, la loi Copé-Zimmermann, elle imposait aux entreprises cotées d'avoir 40% de femmes dans le conseil d'administration. Le résultat est aujourd'hui atteint, puisqu'on a, si je me souviens bien, plus ou moins 43% de femmes dans les conseils d'administration. Bonne nouvelle, vous me direz. Les femmes accèdent à des postes plus élevés grâce à la loi Copé-Zimmermann, donc grâce à la mise en œuvre de quotas. Mais par contre, quand on s'intéresse au poste des femmes, justement au sein des conseils d'administration, on s'aperçoit encore que, mais malgré tout, le plafond de verre subsiste. C'est-à-dire que même si on a des femmes dans le conseil d'administration, toutes les positions, tous les postes justement les plus prisés et les plus engagés en termes de responsabilité, ils sont encore une fois beaucoup plus plébiscités par des hommes que par des femmes. Merci beaucoup. Écoutez, ça va être le mot de la fin parce que ce webinaire s'achève. Encore une fois, grand merci Caroline Perrin de votre intervention qui pourra être vue et travaillée en replay par tous les élèves pour préparer leur grand oral. Voilà, c'était vraiment très clair et merci beaucoup de cet échange. Et j'invite tous mes collègues à pouvoir partager cette vidéo qui sera bien utile. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Bonne journée.